Alors oui, je sais, tu vas certainement te demander pourquoi est-ce que je me trimballe avec un 35 tonnes, un truc qui fait 5 mètres de long. C'est vrai qu'on dirait un petit peu un gitan comme ça, mais en fait c'est juste que j'ai pas de voiture et du coup j'ai emprunté le camion de mes parents qui est en location. Enfin bref, du coup voilà, j'ai que ça pour me déplacer en ce moment, donc j'utilise ce que j'ai parce que la salle elle est assez loin de chez moi. Salut à toi, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien, que t'es en forme. Moi j'ai la pêche, je suis trop chaud là aujourd'hui, je vais vous faire un vlog. On va donc passer la journée ensemble, je vais te montrer mes entraînements, faire une petite update par rapport au dernier vlog. D'ailleurs si tu l'as pas vu, je te mettrai le lien juste en haut sur l'écran pour que tu puisses aller checker ça. La dernière fois je te disais que j'avais perdu pas mal en termes de performance parce que j'avais été blessé. J'ai toujours cette douleur à l'épaule qui est assez gênante au niveau de la clavicule. Dès que je fais un abaissement scapulaire et une protraction, j'ai une douleur qui passe en dessous de la clavicule, c'est assez emmerdant. Mais d'un autre côté, ça me gêne pas trop non plus pendant mes entraînements. Donc j'ai décidé de reprendre, comme je te le disais le mois dernier. Je fais un petit récap de ce qui s'est passé la fois dernière. C'était il y a déjà plus d'un mois, donc le temps passe, hein. Du coup, je m'étais pas entraîné pendant plus d'un mois, tout le mois de juin. Et après, je t'expliquais que pendant quasiment 6 mois, j'avais pas fait de tout ce qui était la base, quoi. Genre les pompes, les dips, les tractions, tout ce qui était endurance musculaire, j'avais complètement mis de côté et je m'étais focalisé sur la force. Donc, je t'expliquais dans ma dernière vidéo que c'était l'erreur à ne pas faire et qu'il fallait privilégier un ratio 80%. 20%, donc 80% sur ton objectif principal et 20% sur tous les à côté qui peuvent te servir et t'aider à progresser. Oula. Ça c'était pour le petit récap du mois dernier. Donc voilà, je voulais faire un point maintenant avec toi un mois ou un mois et demi après la dernière vlog ensemble. Je suis assez content, en règle générale j'ai quand même retrouvé pas mal de force. J'ai retrouvé quasiment mon niveau de l'avant-été, donc au niveau, c'était au mois de juin je crois, quelque chose comme ça, où là j'avais des bonnes performances, bah, juste avant d'arrêter en fait. Ouais non, c'était fin mai exactement, fin mai j'avais des bonnes performances, j'étais content de moi, j'avais jamais été aussi fort entre guillemets. Donc voilà, maintenant je suis content parce que là je me suis entraîné dur ces derniers mois et ça a payé, j'ai vraiment bien repris je pense pas en être exactement là où j'en étais fin mai, mais j'en suis pas très loin, donc ça c'est encourageant. Quoi d'autre, donc aujourd'hui ça va être une routine push, donc je vais essayer de te montrer ça aujourd'hui, te montrer mes progrès, te montrer ce que je sais faire, tu vois, de quoi je suis capable un petit peu quand même, parce que c'est bien beau de donner des conseils mais à un moment faut aussi prouver que tu sais faire, tu vois, c'est important. Un autre truc où par contre là j'ai fait énormément de progrès, c'est en termes de mobilité. Je me suis vraiment amélioré là-dessus, principalement sur les mouvements que je voulais atteindre et sur lesquels je me suis entraîné forcément. Donc le pont, le pancake, le middle split et le side split, c'est les quatre mouvements où vraiment j'ai fait beaucoup de progrès. Donc je suis assez fier de moi. En termes d'objectifs, ça n'a pas changé, je suis toujours sur les mêmes choses. Le handstand push-up, la traction à un bras, la planche et puis le front lever. Donc voilà, c'est parti pour la petite vidéo d'aujourd'hui. Il y aura de la nutrition. Je vais faire le débrief à la fin de ma séance d'entraînement aussi, t'expliquer comment je fais les choses, pourquoi je les fais. Et puis voilà. J'espère que ça te plaira. Nous, on est parti. Purchase your tracks today.
bon, ça y est, de retour à la maison. Et je voulais juste te parler de mon objectif physique avant. Dans le dernier vlog, j'avais dit que je voulais reprendre du poids et tout. Donc ça a été le cas. J'étais à 76 kilos, je passais à 79 et quelques, un petit peu plus de 79. Et puis, comme je suis un mec qui sait jamais ce qu'il veut, eh ben, j'ai décidé de changer d'avis. Et en fait, je me trouvais mieux, tu vois, un peu plus taillé, avec les abdos apparents. En plus, c'est plus facile pour les figures et tout. Donc en fait, entre-temps, j'ai décidé de changer et de perdre du poids, du coup. Donc là, hier, j'étais à 76,50, un truc comme ça. Donc, on va voir, je vais me peser, on va voir à combien je suis aujourd'hui. Et puis, généralement, c'est ça que je fais, c'est que je me pèse, en fait, toujours à la fin de mon jeûne. Donc, je jeûne le matin. J'ai un moment pendant 14 à 16 heures où je mange pas du tout, rien, que de l'eau et éventuellement du café, comme ce matin. Et puis après, toutes mes calories, je les mange dans la deuxième partie de la journée, donc à partir de midi jusqu'au soir, quoi. Donc là, pour favoriser la perte de poids, forcément, tu le sais, légumes et fruits à fond. Surtout que moi, je suis végétarien, donc voilà, c'est pas trop un problème pour moi. Quoi d'autre? Si, je voulais te parler d'un truc aussi. Il y a quelques jours, j'étais en train de chiller sur Netflix. Et il y a un documentaire qui vient de sortir que j'ai regardé, que j'ai trouvé génial, qui s'appelle The Game Changer. Je te mettrai l'affiche, désolé pour mon accent un petit peu pété. Ça t'explique la nutrition optimale pour la performance sportive. Je t'en dis pas plus, franchement si t'as Netflix, va le voir, il est vraiment super bien fait, super intéressant. T'as des athlètes comme Arnold Schwarzenegger, Lewis Hamilton, t'as aussi Nimai Delgado qui est un bodybuilder américain professionnel. Ça parle de nutrition, d'entraînement et de santé en règle générale, donc voilà, c'est... Enfin même si t'as pas Netflix, en vrai ça vaut grave les... je sais plus combien c'est, 12€ par mois Netflix. Abonne-toi, en plus t'auras accès à plein d'autres trucs. Donc voilà ce que je voulais te dire par rapport à ça. Maintenant je vais me peser. Je vais ensuite faire à manger parce que j'ai la dalle. Et puis j'en profiterai pour te donner du coup une recette que j'adore, que je me fais régulièrement, qui est ultra saine et puis bourrée de bonnes choses. Je te mettrai les détails aussi en macronutriments en bas de l'écran. Donc voilà, c'est parti. Bon, du coup, 76 kilos et 100 grammes. Il y a aussi un truc que je t'ai pas dit, que j'ai fait il y a pas longtemps. En fait, je m'étais lancé un défi, ne manger qu'un repas pendant 30 jours. Donc, en gros, faire un jeûne de 24 heures tous les jours et manger toutes mes calories sur un seul repas. Je devais le faire pendant 30 jours et au bout du 9e jour, ça m'a saoulé, j'ai pété un plomb, j'ai mangé n'importe quoi. Et du coup, j'ai bien reperdu grâce à ça. C'est pour ça que j'ai pu passer en un mois et demi de 76 à 79 et redescendre de 79 à 76, en fait, tout simplement. Je suis revenu là où j'en étais il y a un mois. Donc les abdos sont quand même pas trop mal apparents, je suis assez content de ça. Ça se redessine progressivement, forcément j'ai perdu un petit peu de muscle, mais j'ai aussi perdu beaucoup de gras. Une différence de 0,7% de masse graisseuse en moins sur cette période là, donc c'est quand même pas mal. Voilà pour ce qui est de la petite physique update, maintenant je vais me faire à manger, c'est parti. Moi quand je dis que j'ai faim, je fais pas les choses à moitié, j'ai vraiment faim. Et là il y a clairement une ration pour deux personnes. Je sais pas si tu te rends compte, mais le plat est genre quand même assez énorme. Et si je peux me permettre de faire des rations comme celle-ci, c'est simplement grâce au volume alimentaire que représentent les légumes et les fruits aussi en général. J'optimise un maximum sur le volume alimentaire pour me sentir plein, pour me sentir full, tu vois, pour pas avoir faim deux heures après. J'opte aussi pour beaucoup d'aliments qui sont alcalins, c'est-à-dire qui sont pas acides pour le corps et qui sont généralement remplis d'eau. Donc voilà, là-dedans on a du millet. Je voulais faire avec du quinoa mais j'avais plus de quinoa donc j'ai mis du millet. On a des pois chiches, on a des courgettes, on a des poivrons, des oignons et puis pas mal d'épices aussi avec ça. J'ai mis du razel hanout, j'ai mis du cumin, j'ai mis du épice tandoori, c'est un peu comme du paprika un petit peu.
Ensuite, on a quoi d'autre? Du poivre, forcément, du sel de Guérande. Et aussi, j'ai fait revenir à la fin tous les légumes et les pois chiches avec un petit peu de sauce soja, ce qui donne vraiment un super bon goût. Et je le fais caraméliser avec un petit peu de sirop d'agave. Voilà, donc là, c'est la preuve très clairement que quand on est en diète, quand on cherche à perdre du poids, on peut se faire super plaisir. Moi, perso, je kiffe. C'est un peu un remix du couscous, tu vois, mais en mode végétarien. Je kiffe, c'est vraiment super bon, ça a énormément de goût. Et puis, il y a une grosse quantité. Et malgré tout, à la fin de ma journée, je peux quand même être en déficit calorique, perdre de la masse grasse au fur et à mesure des semaines. Voilà à peu près ce que je mange généralement quand j'essaie de perdre du poids. Je vais manger parce que ça va être froid sinon. Ah si, une dernière chose, j'oubliais en termes de macronutriments. Du coup, là, on est sur ce plat-là, on est à 760 calories. Donc ça, c'est quand même important. Après, faut savoir moi que j'ai pas mangé ce matin, donc je fais que 2 repas par jour ou 3. Généralement, je me prends un petit snack l'après-midi. Donc 760 calories. Mon total calorique journalier, il est de 1790. Donc tu vois que je suis même pas à la moitié. Il me reste encore 1000 calories jusqu'à la fin de ma journée à manger, ce qui reste quand même assez énorme. En termes de protéines, ici on est quasiment à 34 grammes de protéines là-dedans, ce qui est aussi assez énorme. En termes de carbs, de glucides, on est à 120 grammes de glucides. Et puis en termes de fat, donc de graisse, on est quasiment à 10 grammes, un peu moins de 10 grammes. Allez, bon appétit à toi. Oh bordel. Petit café pour se rebooster dans l'après-midi. Il est tout juste 14h, j'ai fait une bonne petite pause après manger, histoire de digérer un petit peu. Là, je reprends à travailler et je m'apprêtais à écrire l'email que je vais envoyer en fait cette semaine. Parce qu'au cas où tu le saurais pas encore, j'ai une liste de contacts privés auxquels j'envoie chaque semaine des emails. Des fois c'est un par semaine, des fois c'est plusieurs, ça dépend vraiment. Et en fait, dans cet email, je te donne mes meilleurs conseils, toutes mes astuces. Enfin voilà, on parle ensemble de calisthénie en règle générale, que ce soit à propos de nutrition, à propos d'entraînement, à propos d'état d'esprit dans lequel il faut être idéalement pour optimiser ses performances, etc. Et là, cette semaine, on parlait de... là, je m'apprête à écrire un mail qui parle de... J'avais l'idée, mais j'ai plus l'idée, tu vois, elle est partie. Attends, je vais boire une petite gorgée de café, peut-être que ça va me revenir. Ça me revient toujours pas. Ah oui, voilà, donc le titre de cette newsletter, c'est « La qualité qui fait toute la différence ». Donc c'est simplement quelque chose que j'estime être super important, c'est une qualité qu'il faut apprendre à développer dans le but d'éviter les frustrations et de continuer à progresser au fur et à mesure des mois et des années. Voilà, en tout cas, si t'es pas encore inscrit, moi je te conseille vraiment de le faire parce que tu loupes énormément de choses toutes les semaines. C'est un ou plusieurs mails ultra intéressants que tu loupes et auxquels t'auras plus accès. Donc si c'est pas encore fait, inscris-toi, le lien se trouve dans la description. C'est gratuit, c'est rapide, tu peux te désabonner quand tu veux. Voilà, maintenant que ça c'est dit, moi je vais travailler un petit peu là-dessus du coup et puis on se retrouve juste après. Bon, du coup, ça fait à peu près une heure là que j'écris, j'ai terminé avec le mail, il est prêt à partir. Juste avant que je te donne le détail de ma routine d'entraînement et que je te commente en voix off ce que j'ai fait ce matin, je voulais te donner les grandes lignes de mon entraînement, donc la structure un petit peu, la façon dont je m'entraîne, comment je procède et tout. Pour ce qui est de ma fréquence d'entraînement, généralement on parle de tant d'entraînements par semaine, 3, 4 ou 5 entraînements par semaine. Moi j'aime pas trop fonctionner comme ça, simplement parce que il y a des jours où je sens pas d'aller m'entraîner et donc j'y vais pas, simplement parce que j'estime que mon corps a besoin de repos. Donc je fonctionne pas par tranche de semaine mais plutôt par jour, tu vois, genre j'alterne en fait. Mon entraînement il est basé sur 6 jours d'entraînement et puis si jamais j'ai besoin de repos entre les deux, que je suis courbaturé, que j'ai mal dormi, que je suis sorti la veille, machin, je prends mon repos en fonction. Dans ces 6 jours, il y a 3 jours légers, donc 3 jours où je fais plutôt de l'endurance musculaire et 3 jours où je fais plutôt de la force. Donc 3 jours, en fait, c'est décomposé en push, pull, leg, donc un jour où je fais que du tirage, un jour où je fais que des exercices poussés et un jour où je fais les jambes. Voilà, donc 3 jours push, pull, leg, light, donc léger. Et 3 jours push pull leg heavy. Donc ça c'est une méthode que j'ai vue dans le livre qui s'appelle Overcoming Gravity. Si tu l'as pas lu, franchement mec,
va le lire parce que c'est une mine d'or ce truc, il y a trop d'informations et je m'en inspire beaucoup. Donc voilà, c'est une méthode que j'ai découvert là-dedans. C'est un mec qui s'appelle Steven Lowe, un asiatique qui paye pas de mine mais qui a été coach en gymnastique pendant des années. Et du coup il a écrit un bouquin. Bon, le truc c'est une bible, hein, comme je le disais dans l'autre vlog, c'est vraiment un truc épais. Moi je lis tous les jours et ça m'a pris peut-être 2-3 mois avant de... bien 3 mois même, avant de finir le livre. Donc voilà, si t'es intéressé par la science de l'entraînement, moi je te conseille vraiment ce livre, il est super intéressant. Et puis voilà, je parle beaucoup trop, donc je vais commenter en voix off maintenant mon entraînement, ça sera beaucoup plus parlant. Ok, donc tu le sais probablement si tu me suis depuis un petit moment, mais j'aime bien commencer toujours par mes sessions de handstand. C'est là où t'es le plus frais, où t'es le plus conscient de ce que tu fais et où t'as les meilleurs résultats en règle générale. Donc ensuite, en guise de récupération active, je m'étire à chaque fois. Je pratique 20 minutes de handstand et entre mes pauses, j'étire mes épaules, mes hanches, mes cuisses, mes ischios, ça dépend. Ensuite, je passe directement à la pratique du handstand push-up. Là, j'essayais voir ce que ça donnait. Ça faisait un petit moment que j'avais pas testé. C'est pas exceptionnel. J'ai les coudes qui partent légèrement vers l'extérieur sur la fin du mouvement. Mais ça revient doucement, ça revient. Là, j'étais bloqué pendant un bon moment. J'avais vraiment mal à l'épaule, donc ça va de mieux en mieux. Ensuite, on passe à la planche et je suis assez content du résultat général. En vrai, ça faisait un moment que je l'avais pas entraîné parce que ça me faisait mal aussi. Et j'ai compris qu'il fallait pas que je laisse tomber mes pieds au ras du sol, mais qu'il fallait que je les monte le plus haut possible et que j'ai le buste en fait à l'horizontale par rapport au sol, donc c'est de mieux en mieux pareil. Ensuite je passe au pike push-up et cette fois-ci je l'ai fait avec les poignets parce que ça me permet d'augmenter l'amplitude et vu que je suis faible en bas du mouvement sur les handstand push-up, et ben je le fais de cette façon-là, ça me permet d'améliorer, enfin d'augmenter l'amplitude et donc d'améliorer ma force notamment en bas du mouvement. Donc je le fais avec les pieds surélevés pour augmenter l'intensité. Je fais une dizaine de répétitions avec 3 séries. Ensuite on passe au straight bar dips lesté, là j'ai 20 kg de lest sur moi, pareil je fais une dizaine de répétitions et celui-ci je l'adore, je trouve vraiment qu'il est efficace, il donne un super bon pump au niveau des pectoraux et au niveau des triceps aussi, donc je serre le poids entre mes jambes et puis après je me focalise sur un tempo assez rapide, j'essaie de faire mon max de reps et généralement sur la dernière série je donne mon maximum, je vais à l'échec musculaire et je donne tout ce qui me reste, donc là c'est légèrement difficile sur la fin. Ok, ensuite on passe au push-up aux anneaux lestés. Donc là j'ai commencé la première série avec 16 kg, puis après j'ai réduit un petit peu parce que je voulais pas baisser, je faisais 9 répétitions je crois. Donc là il y a 12 kg. Push-up aux anneaux j'adore aussi, ça implique le facteur de stabilisation en plus, donc ça c'est un petit plus que tu peux avoir avec cet exercice. Ensuite on passe au dumbbell raise, c'est un exercice d'assistance et d'isolation pour la planche et celui-ci est super efficace, je l'adore, donc c'est un exercice bras tendu qui va principalement travailler tes pectoraux, la partie supérieure des pectoraux et les deltoïdes, donc l'avant de l'épaule. Et il est super efficace, surtout au début quand tu commences pour la planche, il t'apprend à bien garder les bras tendus simplement parce que tu peux choisir la charge, donc tu commences à charge faible et puis tu progresses au fur et à mesure. Exercice suivant pour le press to handstand, super exercice, bon t'as l'air un peu d'un con quand tu fais ça mais en vrai le but c'est d'aller le plus lentement possible et de positionner la majeure partie de son poids sur ses mains, sur ses épaules, c'est un super exercice pour renforcer la ceinture scapulaire. Donc voilà, là encore je fais 3 séries, je fais à peu près une dizaine, douzaine de répétitions enfin je fais mon max en fait quasiment à chaque fois, ou presque mon max. Après ça je termine par 100 abdos juste parce que je me suis lancé un petit défi de voir ce que ça faisait. Je fais jamais les abdos habituellement et là je me suis dit vas-y pendant 30 jours je vais faire les abdos, je vais faire 100 abdos par jour. Donc là aujourd'hui c'était les toes touch, celui-ci il déglingue, franchement arrivé à la fin des 100 t'as envie de vomir limite. Après le pont, et là j'ai fait pas mal de progrès, je suis assez content de moi. Bon ça commence à peu près à ressembler à quelque chose, c'est pas encore ça. Mais tu vois, je le fais avec les pieds surélevés pour faciliter en fait l'extension thoracique principalement. Moi, mon gros problème, c'est surtout au niveau des épaules, en fait, de mes dorsaux et de mes triceps qui sont très raides. Donc, je travaille là-dessus. Ça va venir progressivement d'ici quelques temps. Je pense que je serai pas mal. C'est quelque chose qui progresse assez rapidement, le pont. Donc voilà. Voilà pour ce qui est de l'entraînement. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu comme d'habitude, tu commences à connaître mon slogan. Et puis, j'aimerais savoir aussi si ça t'intéresse que je fasse plus de vlogs comme ça, que je documente un petit peu plus ma vie, que je fasse moins des trucs préparés.
mais que je te parle plus spontanément et qu'on soit plus comme si t'étais avec moi en fait dans ma journée, que je t'emmenais, que je te montrais ce que je faisais. Est-ce que ça t'intéresse d'en savoir plus là-dessus? Moi, comme d'habitude, ça m'intéresse de savoir ce que toi tu veux. En tout cas, j'espère que ça t'a inspiré, que ça t'a amené des idées et que tu vas pouvoir t'en servir dans éventuellement tes programmations d'entraînement. Moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je te dis à très bientôt, probablement la semaine prochaine, pour la prochaine vidéo. Salut !